Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, la reproduction. Élément pour une théorie du système d'enseignement. Chacun des chapitres aboutit toujours par des chemins différents au même principe d'intelligibilité, c'est-à-dire au système des relations entre le système d'enseignement et la structure des rapports entre les classes. Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition par un pouvoir arbitraire d'un arbitraire culturel. Le système d'éducation est l'ensemble des mécanismes institutionnels ou coutumiers par lesquels se trouve assurée la transmission entre les générations de la culture héritée du passé. Les classes moyennes, dont l'ascension sociale passée et future dépend le plus directement de l'école, se distinguent des classes populaires par une docilité scolaire. Dans une formation sociale déterminée, le mode d'inculcation dominant tend à répondre aux intérêts des classes dominantes. Tout système d'enseignement institutionnalisé doit les caractéristiques spécifiques de sa structure et de son fonctionnement au fait qu'il lui faut produire et reproduire. Durkheim, le maître comme le prêtre, a une autorité reconnue car il est l'organe d'une personne morale qui le dépasse. Le degré de productivité spécifique de tout travail pédagogique est fonction de la distance qui sépare l'habitus qui tend à inculquer de l'habitus qui a été inculqué au terme de la régression par la famille, maîtrise de la langue maternelle. Les étudiants des classes populaires qui accèdent à l'enseignement supérieur ont nécessairement subi une plus forte sélection, compétences linguistiques. Les correcteurs aiment à dire « l'essentiel, c'est que ce soit bien écrit ». Qualité de composition et d'exposition, le style reste toujours pris en compte. Vocabulaire et manipulation de structures complexes, la possession d'un capital culturel repéré à la profession du père. Pour les classes populaires, c'est la sursélection qui continue à être la règle. Union des degrés de compétences linguistiques aux caractéristiques du passé scolaire. L'origine sociale prédétermine le destin scolaire. La philosophie est la discipline très hautement valorisée dans le système traditionnel des études littéraires. La sociologie est un refuge prestigieux, prestige intellectuel au moindre coût scolaire, sous sélection. La maîtrise pratique du langage est due à la prime éducation. La distance distinguée, l'aisance retenue, code des manières mondaines s'oppose à l'expressivité de la langue populaire qui se manifeste dans la tendance à aller directement du cas particulier au cas particulier et de l'illustration à la parabole, paillardise. C'est dans la distance de la maîtrise pratique du langage transmise par la prime éducation à la maîtrise symbolique exigée par l'école, maîtrise verbale, que réside le principe des variations du rapport au langage scolaire, qui est un des signes distinctifs de plus sûr de la position sociale du locuteur, tendu ou détaché, disposition à exprimer verbalement les sentiments et les jugements qui s'accroît lorsqu'on s'élève dans la hiérarchie sociale, exclusion du vulgaire. Aisance naturelle contre aisance forcée des classes populaires, maîtrise du langage dans la désinvolture, le langage châtié est correct, c'est-à-dire corrigé. Mépris aristocratique des besognes subalternes, l'assistant fera les travaux pratiques même s'il ne fait que parler, le chargé d'enseignement donne un enseignement, le maître de conférence fait pareil, mais en conférence et le professeur donne des cours magistraux, hiérarchie des degrés d'excellence. À mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des professions, implique une distance détachée par rapport à la tâche. Les intellectuels manifestent leur conformité au modèle dominant du rapport au langage et à la culture. Un système d'enseignement doit, pour remplir sa fonction sociale de légitimation de la culture dominante, obtenir la reconnaissance de la légitimité de son action, fût-ce sous la forme de la reconnaissance de l'autorité des maîtres, chargée d'inculquer cette culture. Grande place au verbe, car il prend toujours à conférer le primat à la fonction sociale de la culture sur la fonction technique de la compétence. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. C'est un rapport à la culture défini par le droit d'oublier qu'implique le fait d'avoir su ou mieux d'être socialement
reconnu comme ayant appris. Le professeur doit être doté par l'institution des attributs symboliques de l'autorité attachés à sa charge, à commencer par le verbe. La ruse de la raison universitaire par laquelle l'institution amène l'enseignant à servir l'institution sert en définitive une fonction de conservation sociale. La liberté que le système d'enseignement laisse à l'enseignement est la meilleure façon d'obtenir de lui qu'il serve le système et la perpétuation des rapports établis entre les classes. L'idéologie bourgeoise refuse de reconnaître comme cultivé tout rapport à la culture autre que le naturel. Il faudrait se donner une action pédagogique orientée vers l'inculcation d'un autre rapport au langage et à la culture. La dépendance du système traditionnel à l'égard des classes dominantes se lie directement dans le primat qu'il accorde au rapport à la culture sur la culture. L'examen domine la vie universitaire, l'expression la plus lisible des valeurs scolaires, définition sociale du savoir. L'examen exprime, inculque, sanctionne et consacre les valeurs solidaires d'une certaine organisation du système scolaire et d'une certaine structure du champ intellectuel. L'examen ignoré de l'Antiquité, qui ne connaissait que des écoles et des enseignements indépendants, et des enseignants indépendants ou même concurrents, corps organisé d'enseignants professionnels pourvoyant lui-même à sa propre perpétuation, Durkheim. L'ascension sociale indépendante du niveau d'instruction tend à s'amenuiser au fur et à mesure que la société s'industrialise et se bureaucratise. La tradition confucéenne en Chine impose un idéal lettré. Étrange pour Weber qu'une culture de salon puisse donner accès à des postes d'administrateurs responsables de vastes provinces. La poésie ne gouvernant pas, même en Chine. Les deux pays ont en commun de faire d'une demande de sélection sociale, donc à l'occasion d'exprimer complètement la tendance proprement professorale à maximiser la valeur sociale des qualités humaines et des qualifications professionnelles qu'ils produisent, contrôlent et consacrent. Le système mandarinal s'exprime dans un droit coutumier, légitimation scolaire des privilèges héréditaires de culture. Observons qu'en France, la plupart de ceux qui sont exclus des études s'éliminent avant même d'être examinés, masquant la sélection ouvertement opérée. Les élèves des classes populaires ont plus de chances de s'éliminer, et cela dès le secondaire. Le constat de l'inaptitude résigné à la relégation dans un type d'études dévalorisé, ce n'est pas pour nous. Toute opération de sélection a pour effet de contrôler les qualifications techniques par référence aux exigences du marché du travail, sélection technique et sélection sociale. Dans Protagoras, Platon définit le sophiste, un éducateur d'hommes, professeur professionnel. L'organisation pédagogique est hostile au changement, plus conservatrice que l'Église, car elle a pour fonction de transmettre aux générations nouvelles une culture qui plonge ses racines dans un passé éloigné. Le conservatisme pédagogique n'assigne d'autre fin au système d'enseignement que de se conserver lui-même, identique à lui-même. Il est le meilleur allié du conservatisme social et politique, contribuant par ses effets directs et indirects au maintien de l'ordre social. Le cachet est en ce sens, dans ce cas, un secret, et un secret bien gardé contribuant à la reproduction d'un ordre social fondé sur la dissimulation des mécanismes les plus efficaces de sa reproduction, légitimation. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, la reproduction. Merci.